Moi, j'ai une journée assez ritualisée, finalement. Et en effet, le matin, je me lève. Et puis, moi, j'aime bien, en effet, commencer par préparer le petit déjeuner. Et ce petit déjeuner a besoin de tremper un petit peu. Et pendant ce temps-là, tous les deux, on a pris l'habitude de faire une demi-heure de yoga. Donc, ça nous met bien en train. Donc, après le petit déjeuner, et puis après, chacun vaque un peu à ses occupations, surtout dans cette année-là où on a décidé de prendre du temps pour soi. Les journées sont assez différentes les unes des autres. La plupart du temps, on a un travail à faire tous les deux avec une organisation, hein, puisqu'on a des délais, puisqu'on fait un travail qu'on doit rendre à un moment donné, donc il y a des délais. Et ces délais, ils ont de l'importance beaucoup pour nous, parce que c'est le délai du travail que l'on peut faire, tout en nous laissant de l'espace pour autre chose, c'est-à-dire pour vivre un quotidien où on prend le temps de faire à manger, par exemple, on prend le temps de faire la sieste. Et donc, notre journée de travail, c'est la menuiserie, hein, c'est ça surtout notre travail, la menuiserie, l'ébénisterie. Donc, soit c'est un travail qui nous intéresse, parce qu'il faut dessiner, par exemple, réaliser, proposer au client quelque chose de construit. Ça peut être aussi un volet qu'on nous demande à réparer. Mais est-ce que tu veux que je fasse un peu, que je raconte, hein, que je dégauchisse un peu ou quoi? Ça ne grimpe pas de travail, je pense. Après le petit déjeuner, ça peut être le jardin s'il fait beau, ça peut être des courses quand c'est le jour du marché, ça peut être de la correspondance quand il fait moche, ou de la couture, j'aime beaucoup faire la couture, ou du tricot, toutes sortes de petits travaux comme ça. En général, à 11h, ça c'est très important, c'est la pause café. Le petit moment aussi où on se raconte ce qu'on a fait. Et puis ensuite, il y a le repas qui vient vers midi et demi. On prend du temps, je prends du temps pour préparer le repas. Ça, c'est important, surtout avec le jardin et les légumes. Donc, il faut prendre le temps de les cuisiner. Et d'en faire une fête à chaque fois, un peu, oui. Il faut que quand toutes ces limaces, parce qu'il n'y en a plus. Mais tu sais, j'en avais pas mal ramassé, hein. D'abord, il y a nos vies qui ne sont pas inscrites dans des itinéraires très linéaires. Ça a été parfois compliqué. Et avec Judith, à un moment donné, on travaillait trop. On avait des clients, tout le truc. Hein, bon. On a décidé de s'arrêter pendant un an. On est parti en Amérique du Sud, avec le sac à dos. Et on a commencé par se rendre compte au bout de quelques mois de ce que ça signifiait être reposé, tout simplement. Et c'est installé un rythme de vie dans le voyage qui fait que le rapport au temps, tout d'un coup, devenait quelque chose de une réalité, quoi. Une réalité. Moi, je vais aller voir Antoine, peut-être. Peut-être Antoine, il en a un. Ah oui, ah, c'est lui qui dit ça. Il en avait même proposé quand il en mettait Tu vois? sa jumelle. Il en a. Il y a eu des moments où il fallait vraiment faire avancer les choses, hein, mais avec toujours un peu des allées-venues entre les moments très intenses et les moments de temps.
Donc, quand j'ai eu mon fils, pour moi, c'était important de prendre mon temps. Et puis, quand j'ai rencontré Yves et qu'on a monté cette petite entreprise, c'est vrai que ça a été un moment où on a beaucoup, beaucoup travaillé. Et on s'est rendu compte qu'on s'est laissé bouffer par le travail. Et tout d'un coup, on s'est dit, il faut arrêter ça, quoi. C'est pas possible de continuer comme ça. On est parti un an en voyage. Et en revenant de voyage, on s'est dit, on va s'organiser autrement. En effet, travailler à mi-temps, un gros mi-temps. Au début, c'était un vrai mi-temps. Après, c'est vrai que petit à petit, avec les clients, on s'est rendu compte que le mi-temps devenait de plus en plus moins un mi-temps. Mais n'empêche, il y a eu quand même des heures dans la journée ou des journées où on pouvait faire des choses pour nous. Et puis, le fait qu'à un certain moment, on a pu s'organiser financièrement, parce que ça, c'est naturellement très important. Quand on est jeune, il faut travailler, entre autres, pour payer de l'investissement, quand on a une petite entreprise comme ça, quoi. Et une fois que tout ça s'est payé, on se rend compte qu'on a besoin de moins travailler. Donc, finalement, c'est un peu dans l'ordre des choses. Avec l'âge, on arrive à prendre plus de temps pour soi, quoi. Regarde ce chêne-là, moi, je il est superbe, celui-là. Il est beau. Quels sont nos besoins? Comment arriver à subvenir à ses besoins? Et à partir de là, se fixer comme, voilà, on a besoin de ça et pas davantage. Et en faisant de cette façon-là, on s'est quand même assez rapidement rendu compte qu'on pouvait dégager du temps pour faire autre chose. Curieusement, ça a déteint aussi sur les clients potentiels. Ils se sont rendus compte aussi qu'on était d'une certaine façon plus disponible et on nous a donné du travail plus intéressant. Ça a été alors qu'on n'était pas, on n'avait pas de stratégie hein, pour dire on veut faire des choses belles, formidables et tout. On n'avait pas tellement ça. Au lieu d'avoir moins de travail, on en avait plus. Parce que les clients qu'on avait mis au courant un petit peu de notre parcours, ça leur plaisait. Ça les faisait voyager. Incroyable. Le kung-fu. Donc tu as réussi à quand même avoir du miel un peu là. Je peux Le potager, c'est d'une part, c'est un travail qui où on rentre dans un travail assez automatisé. On n'a pas besoin de réfléchir énormément. C'est sûr, il y a une stratégie un peu, mais c'est assez vite vu la stratégie. Donc, on rentre plutôt dans un travail un peu méditatif finalement. Et puis, on fait pousser des choses. Et ça, c'est quand même vraiment magique, quoi. Ces graines qu'on plante, j'ai toujours pas très bien compris comment ça marche, mais et qu'on arrose, et puis avec la lumière, ça se met à pousser, et puis ça permet de se nourrir. C'est quand même, oui, c'est quelque chose que je trouve formidable, quoi. Je dirais pas extraordinaire, parce que c'est très ordinaire, mais oui, ça me plaît, quoi. Oui. Le potager, c'est déjà quand j'étais étudiante, j'habitais en ville, mais j'avais le nez dans les bouquins. Puis après, on est parti en bateau. En bateau, on n'a pas de potager, ça c'est pas possible. Donc c'était très bien ce moment de bateau, mais je me suis rendu compte que finalement j'avais besoin de retourner à ce désir d'avoir un potager, oui. Les abeilles, ça c'est vraiment quelque chose que Yves avait à initier. Il avait très envie de ça. Et puisque moi, je suis quelqu'un de la cuisine, etc., je me voyais bien m'occuper de l'extraction, éventuellement de la mise en pot, évidemment, mais aussi je me voyais bien éventuellement faire un peu de l'hydromel ou des petits produits comme ça, du pain d'épices, des choses autour avec les produits de la ruche. C'est marrant parce que j'ai pas envie de
Des mâles, j'en ai pas vu alors qu'il y a du couvain de mâles, mais dans la ruche. T'as vu? Donc ça. Elle est tout mou là. Elle a passé la nuit dans le froid. Alors les abeilles, j'ai découvert ça il y a quelques années parce que le frère de Judith est apiculteur dans l'Ariège. J'avais découvert cet univers, l'univers de son travail, quoi. J'avais été complètement fasciné par les abeilles. Tant et si bien que quand je suis rentré, je me suis dit, bon, il faut que je me forme, à ce métier-là. Et donc, je me suis inscrit là-dedans pour apprendre un minimum. Et je me suis dit, ben, c'est une activité que je verrais bien à moitié-moitié avec la maison. Tu vas, je ne sais pas ce que tu veux faire avec, mais... Les larves, c'est bon, il y en a qui font à la poêle sauter. Oui, essayer. C'est des protéines, hein, c'est un métier d'éleveur. Et moi, j'étais plutôt un observateur. Donc, ça m'intéressait d'observer, de voir ce qui se passe, d'y comprendre quelque chose. Mais après, on est dans un travail routinier, hein, qui a ses tâches, qui a ses manutentions, qui a ses embêtements, qui doit faire ses choix, ses stratégies et tout ça. Puis là, ça a commencé un peu à me plaire un peu moins. Et la contrainte, si on a envie d'aller faire du bateau en été, c'est non, quoi. Donc, j'ai décidé de continuer gentiment. C'est très bien comme ça. Un peu de miel. Je suis pas un adorateur du miel, mais ça me va de l'échanger contre du fromage, par exemple. Ça c'est chouette. C'est un moyen d'échange. C'est ludique, quoi. C'est bien. Et ça reste un peu militant parce que quand je vois aujourd'hui avoir des abeilles, c'est vraiment une bagarre pour les maintenir en vie, quoi. C'est vraiment une lutte. Donc, moi, j'engage les gens à faire ça. J'aide au besoin. J'ai des copains à démarrer cette petite apiculture, comme autrefois. Hein, les gens avaient des ruches dans leur jardin. Je vais la remettre dans la boîte. Le temps pour moi, je l'investis dans le relationnel avec mes copines, surtout des copains aussi. Mais c'est vrai qu'on est très très en lien avec toute une bande de filles. On fait des choses aussi dont on a l'impression que ça a du sens ici pour le territoire, la monnaie locale, le gaz, le groupement d'achat pour arriver à ce que on puisse, même ceux qui n'ont pas énormément de moyens, puissent se nourrir pour moins cher tout en ayant une alimentation de qualité. Donc c'est beaucoup dans le relationnel comme ça, dans le relationnel avec mes petits-enfants, c'est vraiment, ça passe tellement vite, donc j'ai pas envie d'en perdre une miette. Et puis, oui, j'aime lire, j'ai l'impression que ça a du sens. Et puis, même si j'en fais pas directement quelque chose de la lecture, mais quand même, je suis en train de lire un livre un roman d'un auteur égyptien, qui raconte ce qu'a été la révolution égyptienne pour les différents protagonistes. Donc ça va du général qui était à la tête de la répression, en passant par sa fille qui est très tiraillée entre sa famille et en même temps toute une jeunesse qu'elle a rencontrée à l'université, aussi des gens du petit peuple, comme on dit, mais qui se politisent. En tout cas, c'est vraiment très prenant, très très prenant, mais très violent aussi, parce que forcément, il s'est passé des choses horribles. Donc, je suis en train de lire ça, mais je peux aussi lire le Clésio. J'adore le Clésio, cette lenteur qu'il a pour rentrer dans des paysages et des relations entre les gens. Je trouve ça formidable. Je lis aussi encore des auteurs néerlandais, ça par moment. C'est vrai que moi, ma langue maternelle, j'ai toujours plaisir à relire dans cette langue-là. Oui.
un des auteurs auxquels je pense, c'est je pense à Moitessier, quoi, voilà. Quelqu'un qui, au moment où j'étais jeune adulte, faisait quelque chose d'assez inouï. Moitessier, c'est un navigateur qui a fait une première course autour du monde, quoi. Et qui, en cours de route, alors qu'il était bien placé pour gagner, il a abandonné la route. Et il est allé à Tahiti, quoi. Il a foutu le camp, il a arrêté. Avec, une révélation. Il s'est dit, à quoi bon la course, quoi? À quoi bon faire ça? Moi, c'est pas ça que je voulais vivre. Donc, il était en totale rupture avec ça. Et ça a donné lieu quand même à cette époque-là, à toute une aspiration de gens pour la mer, pour l'aventure, quelque chose comme ça. Puis après, à partir de là, j'ai rencontré des gens qui construisaient des bateaux, des trucs comme ça. Donc, qui étaient porteurs aussi de cet imaginaire-là. C'était un truc qui est compliqué, hein, parce que c'est quand on est aliéné, on voit ça comme une liberté, mais le voyage c'est compliqué aussi, hein, c'est pas ça, on part avec son bagage, hein, mais l'idée que je m'en faisais avec ces gens-là, c'était une idée de la liberté. Ça valait pour ébauche, hein, disons, ça valait pour ébauche, le gros restait à faire, disons. Après, c'est le bateau. Il y en a qui sont partis en bateau, hein, beaucoup. Hein. Moi, je n'ai pas réussi à partir. Sans doute, c'était plus une chimère qu'autre chose. Donc, j'ai continué à d'abord sortir de l'usine et puis apprendre un autre métier, quoi. Apprendre. Pour des jeunes aujourd'hui qui connaissent un petit peu leur métier, il y a moyen de fabriquer, quoi. C'est un truc, c'est vraiment une tendance. L'industrie dépossède d'une certaine façon des savoir-faire, alors que on peut très bien fabriquer. Nous, par exemple, avec notre équipement qui est quand même pas énorme, on fait des cuisines en massif, par exemple en bois. Hein. Et quand ils sont faits, on regarde ce que ça a coûté, ce que ça nous a coûté, ce que ça coûte des cuisines de cuisinistes. Ben, on n'est pas plus cher. Hein, on n'est pas plus cher parce qu'on n'est que deux. On conçoit, on fait. Donc cet espace-là, il existe. Mais malheureusement, ces attentes vers les métiers manuels, elles sont vraiment polluées par une pensée consumériste, de matériaux déjà faits, à poser. Je suis navré de voir les pertes de compétences. Moi, par ailleurs, j'avais envie de faire autre chose, enfin plutôt de continuer autre chose que je faisais déjà depuis un certain temps, c'est-à-dire de la sculpture et du dessin. Le temps est venu, disons. Le temps est venu de cette assurance-là. Donc, avec Judith, on a mis un peu de sous de côté pour travailler à ces projets-là. Puis je veux bien voir ce que ça donne, c'est-à-dire que soit ça économiquement, ça a un peu de sens et ce sera bien, et si ça suffit pas, il y a toujours la menuiserie qui fonctionne. C'est toujours vraiment, c'est une bouée de sauvetage, quoi. Ça, celui-là, il est tout seul. Peut-être par le haut. Moi, je pense que c'est par le haut. Voilà. Il est plus grand. Ça va faire un... Non, c'est bien, je trouve. Et de l'autre côté, il n'y a pas plus que... Si, je pense. Oui. Ouais, c'est mieux. Ouais. Sauf que normalement, pour moi, ce truc-là, une fois qu'ils sont tous alignés, là, les 10, c'est aléatoire, hein, c'est aléatoire, c'est au collage, je n'ai pas cherché à faire un truc...
Je suis aussi assez l'actualité parce que j'ai l'impression qu'on vit dans une période un peu charnière où j'espère qu'il y a des choses qui vont bouger, mais ça me semble pas possible de continuer comme ça. On vit dans un monde fini et ça, à un certain moment, il faudra bien que ça devienne une réalité pour tout le monde. C'est pas encore le cas, tout ça, j'ai l'impression que ça peut remplir une vie. Oui. Maintenant, il y a le temps qui passe. Il y a le temps qui passe. Tranquillité, c'est pas un don, quoi. C'est quelque chose qui se construit avec le temps. Ça se fait par certaines réussites et beaucoup d'échecs. Ça se fait parce qu'on se pose des questions sur ce qu'on veut, quoi. Ça a commencé quand même très tôt parce que j'étais à l'usine quand même jeune. Hein, à 19 ans, j'étais dans la métallurgie, donc je me suis dit. Faut que je sorte de là, quoi. Donc ça, c'est moteur. C'est moteur. Ça a été un moteur pour moi. C'est-à-dire, je me suis dit bon, je vais pas me laisser enfermer là. Et donc après, forcément, il y a un itinéraire hein, qui vient avec. Et de temps en temps, j'allais à Saint-Malo aider un copain qui avait un bateau. Et donc ce gars-là, un jour, il me dit on est en train d'acheter un chantier naval, là, un tout petit machin. Hein. Et donc, je me suis retrouvé à Saint-Malo avec d'autres un peu uberlus, quoi, qui construisaient des bateaux à leur tour et qui essayaient de faire fonctionner ce tout petit chantier naval. Et moi, je savais pas faire grand-chose finalement. Hein, Et je suis tombé sur quelqu'un qui a compris, quoi, qui a compris que j'étais là, que c'était pas tout à fait un hasard non plus. Moi, j'ai un problème avec l'âge, quoi. Je trouve que c'est terrible, ce temps qui passe, tandis que j'ai l'impression que j'ai encore tellement de choses à faire. Et puis, surtout quand je vois ces deux petits, là, avec toute leur vie devant eux, je suis un peu jalouse. Oui, c'est ça, mon problème. Maintenant, j'essaye d'y travailler à ma manière, quoi. C'est vrai que quand je parlais du yoga, forcément, ça passe aussi un petit peu par la méditation aussi, d'essayer d'être un peu dans l'instant. En effet, profiter de chaque moment, parce que autre chose n'est pas possible, quoi, tout simplement. Donc, j'essaye de bricoler comme ça, quoi. J'ai vu une fois un reportage sur une île quelque part au Japon où les gens y vivent très très vieux. Et un de leurs secrets, c'était de continuer à travailler finalement. Et je me vois pas m'arrêter comme ça à la retraite. Et non, je pense que l'atelier est là. Tant qu'on nous demandera ou me demandera de faire des petites choses, je les ferai. Mais je les ferai à mon rythme et puis pas 40 heures par semaine, ça c'est clair, un peu comme ça vient, quoi.